Et les relations avec tes parents sont-elles plus simples aujourd'hui qu'elles l'étaient Moi, je n'ai jamais eu de problème. Jamais de soucis. Non. C'est merveilleux. Combien d'années? 32 ans. 32 ans. Du nombre d'enfants accueillis. Allez. 52. Sur les enfants, sur les parents, sur la profession. Ben, disons que la profession, bon, on était quand même aidés en faisant partie de l'association. Merci. Bon, ça nous aide beaucoup quand même. Ouais. Mmh. Ouais. Oui. Les enfants. Parents, bon, certains, ça passe mieux que d'autres. Mmh. Hein? Mmh. Est-ce que c'était plus simple il y a quelques années qu'aujourd'hui? Est-ce que la convention collective a modifié les rapports? Non, moi je trouve que c'est pas... Non. Ça n'a pas été quelque chose qui a modifié les comportements. Mais les enfants, je ne sais pas. C'est des gars beaucoup plus fracturés que... C'est vrai que des accueils en plein, on en voit de moins en moins quand même. C'est les retenteurs, ça. Les enfants ont moins de repères. Madame Gallard, combien d'années? Depuis 1967, ça fait 34 ans. Mme Gallard dit que la mensualisation au point du salaire a quand même bien aidé la santé maternelle. Il est vrai que les accueils chez les papis et les mamies, ils les font, mais le salaire reste le même. Hein, donc forcément, ça dissuade un petit peu quand même. Hein. Par contre, ça ne retire pas les négociations en début de contrat en disant « Oui, mais moi, les grands-parents veulent en profiter, donc on va retirer tant et tant et tant de semaines. Hein. » Ça, par contre, vous le connaissez tous lorsque vous négociez vos contrats. Hein. Après, libre à chaque assistante maternelle d'accepter, de refuser. Voilà. Ça s'appelle une négociation, justement, et ça ne regarde que l'employé et l'employeur. Donc, on va vous remercier. On va vous offrir ce petit bouquet. En remerciement de ces années passées avec les enfants. Voilà, Chantal, merci. Madame Gallard. Voilà.